Eh bien, salut tout le monde, c'est Ezor. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de mon Zobal qui s'est fait hack. Donc malheureusement, ouais, il s'est fait hack lundi dernier. Alors vous allez me dire pourquoi je vous en ai pas parlé avant, mais parce que en fait, j'allais sortir donc la vidéo justement de mon Zobal et en fait, je voulais pas un peu plomber l'ambiance, vous dire oh, voilà, je me suis fait hack. Et juste après, j'allais vous montrer justement la vidéo de mon Zobal, donc je préférais vous en parler après. Je vois que la vidéo de mon Zobal a bien plu et je suis vraiment très fier de ça. Je remercie encore Sape, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à Dofus Community HD. J'ai mis le lien de sa chaîne dans ma subbox. Donc c'est vrai que je le remercie pour la vidéo, il a fait vraiment du très bon boulot, on a mis du temps. Je voulais vraiment qu'il fasse ce que je lui demande vraiment au niveau du montage surtout. Et je trouve que ça a réussi, donc c'est vrai que ça a plu à beaucoup de personnes et je suis vraiment très content de ça. J'ai réussi justement mon défi, c'était vraiment que la vidéo vous pèse le plus possible. Et je vois que ça a marché, donc je suis vraiment très content. Là je suis aux 1400 abonnés, je monte encore très très vite. C'est vrai que je m'en rends pas forcément compte. Et c'est vrai que là j'ai vraiment hâte de passer partenaire YouTube. Parce que là c'est vrai que là j'ai vraiment beaucoup, mais vraiment hâte de pouvoir passer partenaire. Comme ça je pourrais mettre des images sur ma vidéo, tout ça. Donc enfin bref, ça je vous le dirai dans une autre vidéo. Donc c'est vrai que là en ce moment mon Zobal a été hacké lundi dernier. Donc quand je me suis connecté le soir, il avait plus du tout d'équipement. Donc c'est vrai que le hack c'est vraiment un très gros souci dans Dofus. C'est vrai que c'est vraiment dommage parce que il y a beaucoup de personnes qui se font hacker et c'est vrai que c'est vraiment ça dégoûte vraiment de voir son personnage qu'on a monté, qu'on a vraiment mis du temps à stuffer tout ça, des heures de jeu qui partent un peu en fumée parce qu'on n'a plus rien du tout. Et c'est vrai que les personnes à qui se sont fait hacker, elles savent ce que ça fait de se faire hacker et de plus avoir d'équipement. Et c'est vrai que les personnes qui font ça, elles ont aucun mérite de hacker les gens, franchement. Je sais pas ce qu'elles trouvent de bien justement à hacker les personnes juste avoir les équipements, mais je trouve ça plutôt que ça fait cassos plus qu'autre chose. Mais bon, après c'est la mentalité de chacun, il faut tout pour faire un monde comme on dit. Et donc c'est vrai que malheureusement, mais bon, Zobal a été hacké. Donc vous inquiétez pas, je tiens à l'informer, à vous le dire, j'arrête pas les vidéos, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je me suis fait hack, que j'ai plus d'équipement sur mon Zobal, que je vais arrêter les vidéos, vous inquiétez pas. Je vais en continuer, mais c'est vrai que là ça m'embête un petit peu de faire des vidéos sans équipement. Il y a pas mal de vidéos que je voulais faire qui vont être mis en attente. La vidéo 1000 abonnés, je vais attendre un petit peu. Je vais vous la faire, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous dis, la plupart du temps, vous inquiétez pas, je la ferai. Il y a pas mal de vidéos, comme je vous l'ai dit, que ça mettra un peu plus de temps. Parce que vu que je suis plus d'équipement maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos que j'attendrai un peu plus longtemps pour les faire. Mais c'est vrai que voilà, faudrait vraiment, je pense, arrêter avec les adresses email au niveau des mots de passe, parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je pense que les adresses email, c'est avec n'importe quelle façon, je pense qu'on n'importe quelle façon, si on met déjà directement, on peut avoir le mot de passe avec une adresse email. Je pense qu'il faudra arrêter avec ça. Faudrait qu'on quand même fasse autrement. J'ai 2-3 idées, mais bon, j'ai pas voulu les dire maintenant. Je voulais dire autrement, mais c'est vrai que là maintenant, je serai encore beaucoup plus vigilant qu'avant. C'est vrai que là, mon personnage, je faisais attention, mais pas énormément. Et c'est vrai que là maintenant, je ferai encore beaucoup plus attention. Et je pense qu'il y aura 99,% de chances que je puisse plus me faire hacker en faisant cette façon. Il y a toujours 1% de chance, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 100% de chance de se faire hacker. Il y a mon pote. Kiefer, ouais, parce que je préfère dire pote, parce que y en a souvent qui vont dire si je dis copain, ça va être petit ami. Donc, je préfère vraiment dire plutôt mon pote. Kiefer qui s'est fait hacker également, et pourtant il protégeait vraiment bien son compte. Et c'est vrai qu'il protégeait vraiment bien son compte, il cliquait pas sur les liens, il allait pas sur les sites. Moi non plus, je le faisais pas. Il y a Sape justement aussi qui fait les edits de vidéos, qui a fait justement le montage de ma vidéo, qui s'est fait hacker. Edward Vampire s'est fait hacker. Mon pote aussi, Stellindor, s'est fait également hacker. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se font hacker. C'est vrai qu'il faudrait vraiment en numéro 1 régler ça, c'est le problème de hack. Parce que voilà, on passe du temps sur les personnages à pouvoir XP, à se faire des camas justement pour le stuffer. Moi je venais de dropper en plus le tutu, un tutu plus 15 en coup critique sur Dragon Cochon capture. Et voilà, juste après je me fais hacker, donc c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté. J'étais à 12 PA 6 PM avec mon Zobal.
J'étais un sur deux avec mon marteau. Et c'est vrai que là, il va falloir que je restuffe tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc bien sûr, je vais utiliser les techniques que je vous ai dit dans mes vidéos. Le pêcheur, tout ça, les métiers, ça, je vais bien sûr le faire. J'en aurai besoin obligatoirement pour mon personnage pour pouvoir me restuff, ça c'est obligatoire. Donc vous inquiétez pas, je vais continuer les vidéos. Sur ce, ben, ce soir je vais sortir une nouvelle vidéo pour compléter l'article que je vais sortir sur Tchoutbilout, fancy donc dédié à Dofus. Donc je ferai une vidéo encore qui sortira ce soir. Aujourd'hui il va y en sortir deux. Donc le hack de mon Zobal pour vous informer et la vidéo sur les métiers. Donc c'est vrai que là je vais en continuer. Et donc voilà, ouais, donc c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté de mon Zoba. Je remercie encore Blues de m'avoir un petit peu aidé à me restuff. Et d'autres personnes que je peux pas citer. Parce que je préfère voilà qu'elles gardent un petit peu l'anonymat. Mais bon, je préfère encore vraiment les remercier. Elles se reconnecteront. Elles se reconnaîtront. Je vais y arriver. Elles sont 2-3 personnes pour l'instant à m'avoir aidé. Dirty Sneaky, là je peux le dire, qui m'a un petit peu aidé pour me passer un petit peu des camas pour commencer à me restuff. Donc en tout, j'ai mis 1,6 million, donc c'est déjà pas mal. Avec ça, je vais me faire des camas, faire le métier pêcheur et je pense très vite commencer à restuff mon zobal. Donc sur ce, ben, cet après-midi, je ressors encore une nouvelle vidéo. Sur ce, ben, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, à venir voir ben, mes vidéos pour ceux qui me connaissent pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde! Donc en fait je suis désolé de reprendre la vidéo, mais je tiens juste à vous montrer que comme par hasard je suis très heureux donc de retrouver mon marteau justement de mon Zobal en HDV commerce, en HDV forgeron à 9 millions de kamas. Donc mon marteau que je m'étais acheté, que j'avais économisé, que j'avais mis du temps à économiser et justement pour me l'acheter, ben je le retrouve en HDV. Donc forgeron, donc c'est vrai que je suis très content de ça. C'était justement, j'étais en mode 12 PA 6 PM justement grâce à ce marteau. Et c'est vrai que ben voilà, là je suis vraiment dégoûté. Ben, je peux vous montrer, je l'avais là malheureusement, je peux pas vous montrer le stade. Donc c'est vrai que ben voilà, je peux pas récupérer mon marteau. Donc c'est ça, c'est vraiment super cool de retrouver justement ces équipements en HDV. Parce que je pense que je vais pas vous montrer, hein, parce que sinon ça va être un petit peu long. Et voilà, donc c'est vrai que je pense que je vais retrouver, bien sûr, je vais aller regarder mes autres items bien sûr en HDV. Donc mon marteau de la terre, parce que je retrouve en HDV à 9 millions, ben, franchement ça me fait vraiment très plaisir. Franchement je remercie ben, la personne qui a fait ça, parce que si elle se trouve vraiment vraiment fort d'avoir hacké une personne, et franchement je trouve pas vraiment, je vois pas l'utilité justement de hacker une personne, mais juste à faire chier justement. Et c'est vrai que ben, ça fait gagner des kamas, mais bon voilà quoi, si vous arrivez juste à vous faire des kamas sans vous creuser un petit peu la tête et juste en hackant les personnes, ben vous... sûr que vous irez pas loin du tout. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça me fait un petit peu, ça me fait un petit peu chier, je suis désolé, mais de retrouver mon marteau en HDV, mais bon c'est pas grave, une page qui se tourne et je vais essayer maintenant de restuffer mon Zobal ben, comme je vais pouvoir le faire. Et ça va être un petit peu long. Voilà, bon ben sur ce, ben, on se retrouve ben, pour cet après-midi pour la vidéo sur les métiers. Allez, bye tout le monde.